Vous êtes en train de poursuivre votre assaillant qui, étrangement, semble assez satisfait de son action. Vous avez remarqué, vous avez pu le remarquer, Shin et Grand Lake qui se battent avec des gemmes de pouvoir entre chacun de ses doigts, un peu comme un pirate jonglant avec des pièces. Il va vers ces fameuses, ce fameux bâtiment abandonné où se trouvait, comme l'avait murmuré, cette paysanne avec les enfants qui jouent là-bas habituellement. Vous le poursuivez, vous êtes sur ses talons, Grand Lake et Shin. Tu viens de soigner le loup, Eden, Théo. Et Bob, toi de ton côté, tu te demandes ce que tu vas bien pouvoir faire. Vous allez me dire, vous avez le droit hein, de vous concerter pour savoir ce que vous voulez faire comme stratégie de groupe pour vous donner des rôles à jouer dans une stratégie globale. Est-ce qu'on invoque un point strat ou un... Oui, vous pouvez faire ça, un point strat. Allez, par espace. Bon, point strat, invoqué. Faut qu'on lui tire dessus. Faut qu'on fasse un signe à chaque fois pour le point strat. Point strat, invoqué. Moi je vous propose, je suis le seul à l'avoir à distance, donc capable de l'avoir à distance, donc j'ai envie de lui tirer dans les pattes pour l'immobiliser et le faire tomber. Pourquoi j'ai pas le droit moi Mais à tir à distance. Oui, il a une arbalète, mais je pense que la flèche de Shin porte plus loin parce que lui il est spécialiste dans ça. Mais oui, il est pas à 10 km le gars, je peux lui tirer dessus quoi. Tirez-lui dessus, c'est tout. Il est à 5 mètres. Honnêtement, de la distance où je suis, je pourrais même tenter de balancer mes propres coups. Les amis, je vous laisse à peu près une minute pour disposer de votre point strat. Tout ça pour dire que vu comme il a l'air content qu'on le suive, c'est peut-être parce qu'il a envie qu'on le suive aussi. Donc ça serait bien de l'arrêter avant. Il faut stopper la poursuite, ouais, complètement, exact. C'est ça. Shin, tu vas essayer soit d'utiliser une flèche de glace ou un petit sort de glace au niveau de ses jambes si c'est possible, c'est réalisable, si meilleur, d'accord. Sinon, tu balances des flèches. J'aimerais savoir, qu'est-ce que le mode Shin obéit à Bob. Oui, non, voilà, déjà, on va se calmer par rapport à ça. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que le mode offensif pourrait me permettre comme action radicale qui le ferait tomber, voilà, le mettrait à terre au sol. Ce sont les dégâts optimum que tu vas pouvoir lui produire. Ouais, mais le but c'est pas de le plomber, c'est plutôt de le stopper net. Enfin, si le mode offensif, comme son nom l'indique, n'est pas trop pour paralyser quelqu'un, mais c'est fait pour le désintégrer. C'est l'immobiliser de manière certaine. Dans ce cas-là, Shin, focus sa jambe en posture focus. Et là, t'as plus de sang, je le Est-ce que je peux balancer une salve de mitraillette de flèches pour être sûr de lui choper les jambes, quoi qu'il en soit. Ça le tue pas, mais qu'au moins ça le mette au sol. Je te propose d'imposer un malus dû à la visée pour cibler ses jambes. Voilà, donc c'est prot. Si ça touche, ça passe. Après, Théo, tu charges. Grun, éventuellement. Je vais charger rien du tout. Il va 10 fois plus vite que moi, le mec. Non, mais une fois qu'il sera au sol, ensuite, on fera ce qu'on veut. Il faut pas le perdre. Et enfin, Grunet, tu lances l'arbalète. Et moi, de mon côté, je vais essayer de jeter mes couteaux. J'en sais rien. On va essayer de le bourrer, quoi. Il faut l'arrêter, c'est sûr. Et surtout, savoir quelle était sa motivation. C'est l'interroger. Le but, c'est de stopper. Voilà, exactement. Donc, point strat terminé. Ouais. Là, le temps est écoulé. Tour de table, Cronleck. Donc, je suis en posture focus et je vais essayer de lui décocher un carreau d'arbalète pour essayer de le stopper dans sa lancée. Tu veux cibler une partie de son corps? Je vais t'imposer un bonus de 30%. Hein. Je le touchais directement. Pour moi, c'est plus important qu'il soit arrêté que obligatoirement de le maintenir en vie. Il y a des enfants en face dans la... Il y a potentiellement des enfants en face. Il a plein de gemmes dans la main. Donc moi, mon objectif, c'est de mettre toutes mes chances de mon côté pour le toucher. Pas forcément de le toucher à un endroit particulier. Très bien. Je t'invite à faire ton test. Mon test de physique. Si tu as des compétences contextuelles... De focus. Exactement. Ok, donc 65, c'est parti. Et je fais un magnifique 13. Oh. J'allais t'imposer un malus de 10 de base, étant donné qu'il est en mouvement. 13, tu le touches. Oui. Tu lances un dé 6, s'il te plaît, pour les dégâts. Dans la botte. Le carreau vient se planter sur une partie de son armure de cuir. Ça semble le déstabiliser, mais pas assez. Il continue dans son élan. Cela dit, toi, de ton côté, Grand Lake, tu as fait un succès suffisamment méritoire pour continuer ta course après lui. Tu n'es pas du tout ralenti. Très bien. Donc, je continue de te déplacer. Hop. La flèche s'est fichée dans son armure de cuir. À l'épaule, l'omoplate L'épaule droite, exactement. L'épaule droite. Et haut. J'hésite à continuer. Comment va le loup? Il a été stabilisé, il est tiré d'affaire.
vous pouvez rien faire de plus sur lui, pour lui. C'est devenu le gars le plus gentil du monde. Il y a Dr House qui débarque et là, votre loup s'en sortira. C'est un lupus. Lupus. C'était un lupus sur le loup. Puis, bon, bah écoute, je vais me relever et partir dans ce sens-là, du coup, pour rejoindre les autres, si le loup est stabilisé après tout. Très bien. Bah, je reviendrai le soigner plus tard. Est-ce que tu es encore avec nous? Oui, tout à fait. J'ai juste pas entendu quand tu m'as appelé. Je vais passer en posture focus. Très bien. Ah, Théo, tu es resté en posture défensive ou pas? Oui, je suis en défensive toujours. Je vais passer en posture focus et dans ma fiche de personnage, j'ai deux couteaux finement ouvragés, qui sont des couteaux d'autodéfense plus que du dernier recours. Je vais en prendre un et essayer de lui jeter comme ça. D'accord. Ça veut rien dire, sur un coup de bol, ça peut passer. Très bien. Fais attention, hein, parce que je suis un peu sur la trajectoire là. T'es un nain, t'es un peu en dessous de la trajectoire, tout va bien. Voilà, fais-moi donc un test de physique. Si tu fais un tir courbé. Je t'afflube d'un malus de 10% parce qu'il est en mouvement. Ce que je disais à Grand Lake plus tôt. J'ai un test de 20. C'est vraiment pour la forme. 47, tant pis. Évident. Ah bah écoute, on sait jamais. Il tombe dans le loup comme ça. Il va tomber dans l'herbe, il va falloir que je le ramasse. C'est tout. Ouais. Chine. Alors moi, je passe en mode focus. Je m'immobilise, c'est-à-dire je me mets à fond de concentration sur mon tir et j'arrête la course. Voilà. Et donc j'ai un bonus de 5 et je vise ses jambes surtout. Voilà. Je vais essayer d'être précis dans mon tir. Je t'autorise, si tu as encore de psy, si tu veux utiliser un point de psy pour t'ajouter un bonus de 10%. Donc tu bandes ta volonté. De toute façon, voilà, vu que je suis en focus, mon tir est gratos. Donc il me reste 2 points. Est-ce que je peux avoir 20%? Non, c'est pas cumulatif. D'accord, c'est pas... Non. Offre non. Mais bien tenté. Tu me donnes 10%. Allez, chameau, les jambes. Et du coup, est-ce qu'il annule les 10% du mouvement? Non, j'avais dit tout à l'heure à Chine que son malus était à 30% pour en plus cibler les jambes. Ah, d'accord. D'accord. Bon, j'ai 30% plus 5. Donc, et plus 10. 35. Voilà. Et moins 15. 15% de malus. 15% de malus. D'accord. Donc sur 85, c'est ça. Donc. Oui. 70. 70, très bien. On compte sur toi. On est parti. La France me regarde. Hop, tac. Fais-moi rêver. Oh là là, quelle 87 déception! Quelle déception! 87. La lucarne, c'était ratée ce de moment sang. Où je devais briller. C'était là qu'il fallait pas rater. C'était là où t'aurais pu avoir. T'aurais eu ton dessin. Il y aurait eu un dessin. Il est pas si loin que ça. T'auras peut-être le temps d'en faire une deuxième. Écoute, l'ennemi prend de la distance. Et pour le coup, c'est Grunlek qui est sur ses talons maintenant, alors que tu as concentré tous tes efforts, Shin, pour lui tirer dessus. Dans l'ordre, il y a Grunlek, Théo, Shin et Bob. Grunlek, tu poursuis donc votre agresseur. En le poursuivant, tu as un champ libre, donc tu as tes sens qui sont en éveil parfaitement au vu de la situation, et tu vois apparaître devant toi un gamin qui est en train de courir vers toi. Le gamin, il a une grosse blessure à l'épaule gauche, une blessure qui est très récente, qui est probablement survenue il y a 2 minutes. Est-ce que c'est genre une blessure énorme, il va en mourir ou Non, c'est un ado qui dit qu'il est très apeuré, il est choqué. Il vient, il fait « Il y a mon frère et ma sœur qui sont là-bas, j'ai croisé, il y a un agresseur, il y a un bandit que j'ai croisé, il a essayé de me donner un coup et il a continué sa course. » Est-ce que je peux quand même retenter un tir sur le gars ou pas? Oui. Ok, bon bah... Tu n'as fait... En l'occurrence, tu as juste loupé ton tir, hein. Tu as pas... Enfin, tu as réussi ton tir, tu l'as même plutôt bien réussi. Donc tu peux éventuellement te repositionner. Donc il y a ton bras qui saisit un des carreaux que tu avais fixé sur le côté. À un moment, tu vas arriver à la cour de carreaux. Oui. Donc il fixe sur le côté, tu tends le bras comme ça, et tu lâches ton carreau. Je t'en prie, fais-moi ton test de physique avec un malus de 10%. Donc avec un malus de 5%, donc 55. T'es en focus. Enfin, je suis en focus. Allez, c'est maintenant qu'il faut réussir. Je crois en toi, petit dé. 58 pour 55. Raté. Dommage. Carreau passe à côté. Est-ce que je peux... Il se rend vers les ruines. Comment? Donc j'ai arrêté ma course là. Bah tu t'es ralenti, tu es au même niveau que Théo. D'accord. Ah putain. Théo, tu te mets à son niveau?
Bah, je vais continuer à courir. Ouais, non, mais tu te mets à son niveau. Bob. C'est à moi. Du coup, je vais observer le gamin, voir la blessure déjà si c'est grave ou pas, et d'un coup d'œil, hein, rapidement, parce que la suite de l'action que j'ai prévue, c'est de passer. Je vais te montrer Clarex, si tu me l'accordes, de faire éventuellement un peu le tour. D'accord. Essayer de le prendre à revers, parce que de toute façon, je ne peux plus qu'allumer du feu au cac, enfin au cac, à 2 mètres de distance à peine, quoi. Et donc, c'est le seul moyen offensif réel que j'aurai sans vraiment trop me mettre en danger. Puis ça me permettrait de voir s'il a pas des potes, une connerie, j'en sais rien. Bref, très bien. Ça tu empruntes un autre. Mais le gamin d'abord. Est-ce que c'est une blessure à l'épée? Fais-moi une explosion, un test de mental, s'il te plaît, pour analyser ça. Alors. Est-ce que tu as une compétence contextuelle? 75, et j'ai une compétence perception. Érudition plutôt. Ou tu as 15%. Ça veut dire que j'ai 90. T'es en focus? T'es en focus? Et je suis 95. En focus. 95. Alors si je le regarde, si je fais un 96, je dirais non, c'est une belle petite fille. Le gamin, il a 15 ans, il est là. Mais non, je m'appelle Thierry. Ah oui. Vraiment une belle petite fille. Allez, on lance 31. C'est bon. Dieu merci. Très bien. Pour une fois, ça passe. De toute façon, il n'y a que Chine qui peut faire quelque chose. On est obligé d'attendre que Chine, les tours de Chine à chaque fois. Sont lancés. Quand tu analyses cette blessure, Bob, tu as déjà vu ce genre de blessure dans des circonstances un peu plus tendancieuses. Tu l'as vu dans des situations, dans certaines académies un peu plus sombres, où on apprenait aux érudits à plier l'esprit humain, plus simplement la torture. L'attaque qui était portée à cet adolescent n'était pas une attaque pour tuer, c'est une attaque pour faire souffrir. Une attaque donc pour faire souffrir. Donc il a été torturé ou alors il a été blessé volontairement pour le faire mal. Oui, non, c'est le genre, il a donné un coup d'épée en tournant histoire que ça pisse le sang. Quoi. Il est passé à côté, il a vu ça, il a donné un coup. Est-ce que j'ai vu suffisamment pour déterminer si c'est mortel, à part bien sûr perte de sang? Non, ce n'est pas mortel. Tout va bien. Bon, et ben écoute. Votre agresseur est clairement défini comme un sadique. Un sadiste, clairement. Enfin, un sadique, pardon. Et du coup, est-ce que j'ai le droit de continuer ma course un tout petit peu? Bah, tu as très bien réussi ton action. Ton test, tu l'as réussi haut la main, donc tu peux poursuivre. Tu peux même te positionner par là. Comme tu veux. Chine. Ah ben là, moi je suis en mode l'homme qui valait 3 milliards, en mode course. Je me mets à sprinter, accélérer à partir dans sa direction. Et, mettez-vous. Et je vais retenter. Grandlec, Théo, mettez-vous là. Et Chine, mets-toi à leur niveau. De toute façon, il n'y a que toi qui peux l'arrêter, là. Donc on est obligé d'attendre que tu réussisses ton erreur. Il est peut-être en mouvement, peut-être, mais là, il est à 3 mètres, littéralement. Je veux dire, si on regarde la règle, c'est 5 feet, quoi. Ah bah d'accord, ils sont... Est-ce que j'ai du malus parce que je suis en train de galoper, là, mètres. Pour rattraper déjà mon retard, et puis... Il est à 10 mètres. Tire, fais-moi un test, le même test que tout à l'heure, Chine. Le même, d'accord. 75, il me semble, non? C'était 70. 70. 70. Attention, on passe des doigts. Oh, 78. Tu vas finir par toucher. Tu le fais exprès au bout d'un moment. Mais c'est le Seigneur des Anneaux où le héros arrête pas de tirer des flèches et le méchant il a ça rebondit à côté puis il a le temps de monter dans la machine géante. C'est Hot Shot 2. Faut remarquer proche de la nature tout, hein, tout ça. Non mais t'as un vrai archer. Faut remarquer surtout qu'il réussit à esquiver l'ennemi qui ne vous sème pas, réussit à esquiver les flèches parce que justement il est en mouvement. Oui, c'est vrai. Il rentre. C'est un bonus qu'il a sauvé. Il rentre dans la maison abandonnée. Quand il rentre à l'intérieur de la maison abandonnée, vous entendez un cri strident d'enfant. Ah putain, on va perdre les PNJ là. Les otages, je m'en bouge. On va perdre les otages là. Putain, en plus les PNJ te rapportent de l'ISP quand tu les sauves quoi. Ah oui. Mais si je lui dis stop, tu crois qu'il va s'arrêter? Ah oui, personne. C'était ça la solution. On est où? C'est la police. Tour de table. Attends. Ce que je vous propose, maintenant que votre agresseur est rentré, s'est retiré dans la maison abandonnée, je vous propose un point strat, si vous voulez, pour savoir comment c'est est-ce piégé. Que vous l'abordez. C'est piégé. Le MJ nous propose un point strat alors que l'ennemi vient justement de sortir de notre vue, il vient de se barrer dans un endroit où il y a des otages. On a entendu quelqu'un hurler, on ne sait pas. Mais oui, mais évidemment, mais c'est pour nous attirer, c'est un sadique l'enfoiré, donc du coup il va nous attirer dedans, et puis il y a une télé qui va s'allumer, il va être là. You want to play a game? Et puis. Non, mais c'est ça, mais je veux dire, il a croisé un gamin, il a déjà stabé quoi, donc. Bob! Et puis stabé sale! C'est oui. pas. On est en point strat là, on est en point. Là. Bob, mets le feu à la maison, je rentre dedans, et s'il y a des enfants, je les sauve.
Mais si c'est piégé, s'il y a des autres gemmes à l'intérieur, je vais tout faire péter, on va tous crever. Ah, mais le feu à la maison, elle va mettre du temps, elle va mettre du temps. Mais j'ai fait, il est trop fatigué pour ça. Et puis oui, je vais me... Ah non, je pourrais. Mais c'est les gosses, quoi, ils sont plus sensibles qu'un adulte. J'ai fait 250 kills d'araignées dans l'épisode précédent, je vais pas tuer deux gosses là maintenant, c'est contre-balancé les karma, merde. Non mais s'il y a des gosses, nous, moi je rentre dedans, je les sors de là. Mais tant pis, je passe devant les ennemis, je me prends 3 coups de rapière et puis... Ce que je vais tester, c'est vous allez vous approcher en embuscade. Je vais me mettre proche de la maison et tenter de faire une télépathie pour voir s'il y a des êtres vivants à l'intérieur. Pas forcément me connecter, mais ne serait-ce que voir si ça zone. Ou alors je suis obligé d'avoir un contact visuel, tu vas me dire ? Oui. Ah merde. Tant pis. Sauf non, pour les personnes que tu connais en particulier, c'est-à-dire avec tes amis... Bob, tu peux éventuellement déployer la télépathie. Ce n'est pas un problème parce que tu les connais bien. Mais tu ne peux pas avoir un scan de zone avec la télépathie. Ce n'est pas la même chose. Peut-être quand tes pouvoirs se déploieront, tu pourras développer ça. J'ai juste Bob, écoute-moi, mets le feu à la maison. S'il meurt, tant pis. Mais non, attends, j'ai une pause. Mais t'es un paladin. C'est qui le méchant ou le gentil, merde? C'est moi qui suis half démoniaque et toi t'es là, mais le feu à la maison. Écoute, moi je suis là, non. Des enfants, c'est des gosses quoi. Merde. C'est ça meurt, J'ai l'impression d'avoir un petit Théo en petit à côté de moi sur l'épaule qui est là. Tu l'es tous. Ça déconne. Mets le feu à la maison et je m'occupe de les sauver. Non. Fais-moi confiance. J'ai une dernière stratégie. Écoute, Maya, juste une question. Vous allez bientôt arriver à la fin du timer. Petite pause, et c'est pas sur le point strat, c'est sur mes pouvoirs à moi-même. Je pose la question, est-ce que si j'invoque mon cheval magique Brasier, est-ce que c'est un golem, une entité à laquelle je commande à 1130% et qu'il a un comportement d'animal normal? Alors non, que je peux m'en servir de il a bélier. Un comportement d'animal, donc il va pas bêtement charger le mur. Donc je ne peux pas m'en servir de bélier afin de déjouer les pièges éventuels en bourrant la porte comme un vieux chacal jusqu'à ce qu'il meure, mais ça ne marche pas. Mets le feu à la maison. J'en meurs d'envie, je mentirais pas si je disais pas que j'en mourrais d'envie, mais là, c'est pas la chose à faire. Mais si tu mets le feu à la maison et nous, on sauve les gosses. Il faut faire une diversion, il faut qu'il y ait une personne qui arrive devant et d'autres qui arrivent de l'autre côté pour sortir, évacuer les gamins. C'est pour ça que je faisais le tour. D'ailleurs, on ne voit pas l'autre côté de la maison, là, c'est de la Elle est toute petite, la maison, ils sont quatre dedans, au pire. Oui, mais attends, c'est pour ça, il faut faire une diversion. On ne voit pas ce trou dans le mur de la maison pour l'instant. On est d'accord, c'est de la triche. Lequel? Moi, c'est pour ça que j'ai fait la strat, ce trou dans le mur là. Voilà, j'ai fait. Ce trou dans le mur. Voilà. C'est pour ça que ma strat se basait à faire le tour de la maison pour voir justement. Donc éventuellement, je pourrais développer cette stratégie plus tard. Mais là, pour l'instant, je veux juste faire le tour de la maison et essayer de le prendre peut-être par surprise, quelque chose. J'en sais rien. Je vais continuer à faire mon tour. Vous trois, vous faites pas baiser. Regardez-vous. Au pire, dans 5 minutes, je crame tout. Si dans 2 minutes il se passe rien, on n'est pas sorti avec les enfants, tu mets le feu à la maison. Comme ça, comme ça, si c'est piégé, on tue les ennemis. Et nous avec. Et les enfants, je crame tout. Ah non, mais... je crame mon humanité, je crame la planète. C'est pas du boulot, les gars, ça. C'est pas du boulot. Je suis d'accord, mais voilà. Écoute, au pire, toi, t'éteins le feu après, Shin, ça. On sera juste brûlé au troisième degré, c'est pas trop grave. Oui, avec des enfants morts. C'est ça. Mais arrêtez, ça va, ils sont pas contre le mur comme ça en attendant que ça brûle. C'est toi le paladin, c'est toi qui se mais ouais, ils vont juste être un peu en danger. On va rentrer en même temps. Dernière proposition de stratégie sérieuse avant de fin de point strat, je mets sur moi l'armure d'enfer, on mise sur le fait que j'ai un bon dé, une bonne protection de fou magique avec une belle armure Magic of Doom, j'y vais en pigeon pour voir si je me fais déglinguer ou pas et vous me suivez derrière. C'est plus loin que nous en plus. Non. Ah merde. Est-ce que moi je peux te buffer On est level 1. On est level 1 ou pas? Peut-être level 2. Non, on est level 2. Ah, level 2, pardon. Non, mais il n'y a pas besoin de faire une strat compliquée. On y va avec Théo, on rentre, Shin, tu restes un petit peu derrière. Ah, c'est bon, on rentre en fonce. Voilà. Mais je pars avec Bob, on contourne, on passe de l'autre côté. Le timer a été coulé. Dites exactement où est-ce que vous vous positionnez et par où est-ce que vous rentrez. On a droit à combien de distance? Par là. Ouais, comme Théo, ou... exactement pareil. Parce que moi, je voudrais aller vers ici, en fait. Je profite de ma posture focus pour ressortir mon bouclier. D'accord, pour le déployer. Voilà, pour le déployer. Et à la fin de mon tour, par contre, je passerai en défensif pour le tour d'après. Et je le déploie, j'utilise 1, donc c'est un bouclier un peu plus important que la fois d'avant. Donc vu que je suis en focus, il me coûte que 1. Mais ce sera un bouclier de valeur 2. D'accord. Donc ça me fera 4 d'armure. Et je passe. Je peux me mettre directement en défensif à la fin du tour ? Oui. C'est propre, c'est propre.
Quand tu t'approches, Théo, parce que c'est toi qui ouvre la marque, étant donné que Grunlek, lui, se concentre à générer son bouclier lié à son bras. Tu vois qu'il y a ton adversaire qui tient sous le bras gauche cette jeune adolescente. Évidemment. Et te regarde avec un petit sourire mauvais et un regard rieur. Chacun son bouclier, paladin. Oh, il me plaît ce méchant. Est-ce qu'il peut lui lécher la joue à la fille comme ça? Mon petit abricot. Et là, c'est un vilain maléfique. Ah, là, bon, là, c'est là, un méchant Disney. Hein, on s'en fout. C'est un méchant Disney. Hein, ouais. Oh, c'est pas très Disney, ça. On n'a pas vu les mêmes Disney. Je sais pas quel genre de Disney tu regardes. T'as. Le méchant qui capture la princesse pour lui pour s'en servir. Oui, mais il lui lèche pas la joue. Voilà. Non. Général Boy, non, il lui lèche pas la joue. À la fin, il la bute pas, mais là, pour le coup. Alors, dites-moi. Dans quelques minutes, vous allez mourir de toute façon. Au pire, vous allez tuer l'enfant avant, mais après, vous allez mourir. Très cher paladin, peut-être que je mourrai. Probablement même, si on va plus loin que ce qui est prévu. Mais, j'ai d'autres plans pour vous. Veuillez m'excuser. Même si vous avez combattu avec ardeur, et tout ne s'est pas passé comme prévu, je veux bien le reconnaître. Il te pointe avec sa rapière, en garde, et il tient l'adolescente comme ça avec son bras gauche. Vous allez vraiment vous battre avec une fillette pour vous défendre? Je sens poindre un sentiment. Je crois que c'est de la culpabilité. Non, en fait, non. C'est génial, ce méchant. Il est formidable. Elle est consciente, parce que si elle se débat pour lui, ça va être plus, oui, un poids qu'autre chose, quoi. Elle se débat. Oh, c'est un poids comme un autre. C'est relatif. Hein. Il aura un malus de 5%. Elle se débat, et d'ailleurs, en plus de se débattre, comme il la tient à la gorge, elle s'étouffe lentement, mais sûrement. Que fais-tu, paladin ? Je vais lui foncer bêtement dessus, le bouclier en avant. Et quitte à rentrer, je vais rentrer dans la fillette et rentrer dans le mec aussi, en fait. Il va faire un belly à la gamine qui s'étouffe de 16 ans et demi. Bon. Elle est morte, maintenant. Le méchant l'a tué. Elle est morte, c'est une belle mort pour elle. C'est horrible. Mais non. Elle est morte pour l'Inquisition, pour le dieu euthanasie. C'est horrible. Mais non, je veux dire... C'est génial. Dans ma strat... Comment vas-tu mourir? Dans ma strat... Dans ma strat, en fait... Ah, c'est une strat, pardon. Oui, ah, putain, oui. Dans ma strat, en fait, si je fonce, comme, mais vraiment, avec le bouclier comme ça devant, je vais... Il va être forcément déséquilibré, parce qu'il tient la fillette, machin, ouais. Lui, il a la rapière, il va pas pouvoir garder et le poids de la fillette et le poids... Donc, à un moment où la fillette va tomber de l'autre côté, je vais bourrer la fillette, je vais lui mettre un grand coup de bouclier dans la gueule, au pire. Mais je vais pas assommer la fillette, c'est pas le but. Ah ouais, tu sais que tu vas la tuer là, en vrai. Tu vas lui péter la dessous. Nuque. Mais si, tu vas lui briser, ça va complètement enfoncer son bras dans, ouais, sa gorge, ouais. Elle va crever. Tu vas lui péter la nuque. Elle va se prendre du dégât, c'est obligé, la rapière va se balader. Non, dernière chose, il pointe la rapière vers toi. C'est-à-dire, si tu vas comme un gros bœuf sur la lance qu'il te pointe, une rapière anti-armure, enfin c'est le principe quoi, tu vas t'empaler dessus si tu fais pas gaffe. Donc fais gaffe à l'échec, ça peut faire. Attends, très mal. Il tient les la autres, rapière. Je vais vous demander, je vais demander à Théo de me dire ce qu'il dit, ce qu'il fait. Donc, Théo, dépêche. Il tient la rapière de comment? Je veux savoir. Il la tient en garde. D'accord, et il a quoi? Il a un couteau sous sa gorge? Non, il est en train de l'étouffer, il est en train d'étrangler. Très bien, ben voilà, donc écoute, je fonce vers lui et je lui rentre dedans, littéralement, aux deux. D'accord. Mais non, je vais pas la tuer. Il a son bras, il est en train de l'étouffer, comme ça, si t'appuies sur son bras... Oui, ben elle s'étouffe quand il va trébucher, il va relâcher la pression, ça va, c'est pas un bébé phoque, quoi, elle va pouvoir tenir 2 minutes, quand même, quoi. T'es un mec... Fais-moi ton test. Pleine force de l'âge, avec une armure en plaque, combien tu pèses à ton âge? Je suis sûr que ça va aller. Oh, comme le dit Théo, c'est pas un bébé phoque. Il a déjà testé cette stratégie beaucoup sur des bébés phoques, donc il sait que ça marche pas. Ça va, c'est pas, je veux dire, c'est pas un nourrisson. Elle aurait 2 mois, effectivement, non, je le ferais pas. Ça, oui, tu vas lui jeter un placard à la gueule, quoi. Ça va rien. C'est fait ton test, Théo. Premier choc. Je vais lui faire mal, mais je vais la sauver. Non, je pense. Bah, ça dépend de ton test. Fais-moi ton test, justement.
2 d 80... de dégâts. Ouais, ben c'est bon. Elle est broyée. C'est terminé. Bah, là, tu vois le truc. Allez, c'est fini. Merci, quoi. Voilà, voilà pourquoi faut pas passer son diplôme de paladin par correspondance. Ça ne marche pas. Voilà ce que ça donne. Comme prévu. Tu me retires, je suis désolé. J'ai quelques larmes dans mes yeux. Le pire comme paladin prévu. De l'univers, quoi. Tu cherches, ouais, chacun son tour. Chacun son tour. C'est le karma, chacun son tour, enfoiré. Oh, mon Dieu. Tu charges l'adolescente, donc tu ne vois pas vers où tu charges, parce que ton bouclier qui cache ta vue, et t'entends un bruit sourd et un craquement derrière le bouclier. Tu lâches tu un léger. Chargé tellement fort. Tu lâches un tu léger. Tu l'as chargé tellement. Oups. Et. Tu es propulsé en arrière, tu es déséquilibré, et quand le bouclier se baisse, tu vois juste l'angle de vue, il y a l'adolescente qui est en train de s'écrouler, inconsciente, ou dans le coma, ou morte, ou les trois, et tu vois qu'il y a ton agresseur qui est en pleine possession de ses moyens, qui a la main pleine de gemmes, qui a le bras tendu vers le ciel, et il vient juste de lancer en l'air une poignée de gemmes de pouvoir.